Baccalauréat, session 2016, deux non-voyants figurent parmi les candidats. Ils font option sciences sociales. Ils ont traité le même sujet que leurs camarades voyants. Vous allez les découvrir dans ce journal. Le médicament de rue tue. Les étudiants de la faculté de pharmacie engagent une campagne de sensibilisation contre ce fléau. Conakry, 11 juillet 2016. Merci de l'attention. Le président de la République, professeur Alpha Condé, poursuit son séjour de travail à Rome, en Italie. Ce lundi, un accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à éliminer la pêche illicite a été paraffé. C'est le début de la nouvelle ère en matière de lutte contre la pêche illégale en Guinée. La cérémonie a eu lieu au siège de la FAO à Rome. La précision dans ce reportage de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. 32e sommet du comité sur la pêche organisé par la FAO. En toile de fond, le lancement officiel de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Professeur Alpha Condé a été choisi par les responsables de la FAO comme président d'honneur de cette cérémonie, compte tenu surtout des résultats enregistrés en Guinée ces 4 derniers mois dans la lutte contre la pêche illégale. Dans le cadre de mise en œuvre de la stratégie mondiale de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la FAO a développé un accord contraignant sur les mesures de ressort de l'État du port. C'est un plaisir pour moi d'annoncer aujourd'hui que la Guinée a adhéré le 3 juin dernier à cet accord, adhésion qui marque une étape logique dans la mise en œuvre de réformes importantes entamées par mon gouvernement dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance des pêches en Guinée. Ces réformes ont permis à mon pays de se doter d'une nouvelle stratégie de pêche 2016-2020 et d'un plan d'investissement qui renforce des dispositifs de cohérence institutionnelle et politique du secteur. Le président de la République s'engage à œuvrer aux côtés de ses homologues du monde pour la réforme du secteur de la pêche en vue d'une gouvernance efficace. À cet effet, je m'engage à apporter mon appui à la mise en place du capital politique nécessaire dans le pays pour la réforme du secteur de la pêche en vue d'une gouvernance efficace de ce vecteur de développement. Mes initiatives en tant que qualité de champion vont venir renforcer les efforts déjà engagés par l'Union africaine pour la création d'un environnement favorable au dialogue sur les questions de développement du continent. La Guinée vient d'adhérer à cet accord relatif aux mesures du ressort de l'État, du port visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, comme 27e État membre. Sur un autre plan, le président de la République s'est entretenu avec le président du FIDA. Les entretiens ont porté sur le développement de l'agriculture et la pêche en Guinée. Il a été question également de l'appui du FIDA en direction de notre pays, Sanassi Keita. L'agriculture au cœur de la politique de développement du président de la République. Et c'est pour justement continuer à booster ces secteurs, porteurs d'emplois et générateurs de revenus, que professeur Alpha Condé est arrivé ce lundi au siège du FIDA, Fonds international pour le développement agricole. Objectif, échanger avec le président de cette institution internationale sur les immenses potentialités agricoles dont dispose la Guinée, en vue du soutien de celui-ci. Dans cette dynamique, Kanayo Wanze rassure de son soutien à cette politique engagée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je crois que la raison de mettre l'agriculture à la base de tous ces programmes de développement du pays, parce que vous avez la potentialité, pas seulement au niveau culture vivrière ou bien culture de vente, mais aussi au niveau de la pêche. Je crois que le fait que le monsieur le président lui-même a pris le portefeuille de l'agriculture en main, lui-même, comme le ministre supérieur, si vous voulez, pour l'agriculture, le FIDA a dit que pour cette période 2016 et 2018, le FIDA met à la disposition de la Guinée une allocation de 30,5 millions de dollars. Ça, c'est vraiment pour renforcer la pêche en Guinée. Mais le FIDA aussi a d'autres possibilités de financement en mettant, en créant des possibilités d'avoir d'autres co-financiers pour ajouter des contributions au niveau du programme financé par le FIDA.
Pour moi, il faut un leadership, pas seulement au niveau politique, mais un leadership au niveau du développement et l'agriculture pour l'Afrique et en Guinée en particulier, c'est vraiment fondamental pour vraiment pouvoir transformer le pays en un pays exportateur, mais premièrement un pays qui nourrisse le citoyen guinéen d'abord. Et ça, ça peut le faire d'ici au maximum 2025 millions de dollars. C'est cette enveloppe que le FIDA compte mettre à la disposition de la Guinée pour renforcer le secteur de la pêche. Un appui salué par le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Le directeur du FIDA a annoncé l'octroi à la Guinée de 30,5 millions de dollars, dont 50% en dons et l'autre en prêt, pour permettre à la République de Guinée de diversifier ses activités dans le domaine agricole, mais notamment dans le domaine de l'aquaculture. Donc, comme vous le voyez, c'est un apport extrêmement significatif que le FIDA vient d'accorder à notre pays. Et ça a été l'occasion pour le FIDA de remercier le président pour son leadership, parce que la Guinée est l'un des rares pays à avoir acquitté complètement sa contribution en faveur du FIDA pour l'année 2016. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables, la Guinée est aussi un pays riche dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Deux secteurs clés mis au centre de la politique de développement du professeur Alpha Condé qui compte soutenir aujourd'hui le président du FIDA. Merci Salassi, notre envoyé spécial, et très bon séjour à Rome. À Conakry, outillés, les députés, l'administration parlementaire aux techniques d'élaboration du budget national, la démarche vise à renforcer les capacités des bénéficiaires en vue de leur permettre d'examiner minutieusement les questions budgétaires. La rencontre se tient grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Robert Siditono signe ce reportage. Ils sont députés à l'Assemblée nationale et fonctionnaires de l'administration parlementaire à être outillés dans le processus d'élaboration d'un budget national. L'enjeu est de renforcer les capacités des bénéficiaires de la formation pour une meilleure lecture du projet de budget jusqu'à son adoption définitive. Une initiative de l'Assemblée nationale avec un appui technique et financier de la Banque mondiale. Les députés sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Pour le contrôler, il faudrait qu'ils soient informés comment le budget est élaboré, comment il s'exécute, quelle est la politique publique menée, parce que le budget d'un État est l'expression chiffrée de cette politique du gouvernement. La formation est axée sur plusieurs thématiques devant permettre l'appropriation par les députés des dispositifs législatifs et institutionnels d'un projet de budget national. C'est pour introduire les questions budgétaires auprès des députés, leur dire comment est-ce que le budget est élaboré, comment est-ce qu'en tant que député, dès qu'ils reçoivent les documents budgétaires, comment est-ce qu'ils peuvent lire les documents budgétaires qu'on leur envoie, également comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour pouvoir voter le document budgétaire, et également comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour pouvoir suivre l'exécution du budget en cours d'année. La formation est en prélude aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la session de la loi de finances initiale 2017. Présentation au ministère des Mines du rapport sur la campagne géodésique, un système qui permet de mettre en réseau pour mesurer les données géologiques. C'est une innovation du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Les précisions de notre reporter avec Ablaï Diallo. Présentation du rapport de la campagne géodésique sur le secteur minier guinéen. C'est une innovation du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier pour mesurer toutes sortes de données géographiques. Elle consiste à mettre un réseau géodésique matérialisé au sol par des bornes de fonds durabilité de 500 kg identifiées dans le cadastre minier. Grâce à cette nouvelle étude, le cadastre minier sera doté de bases de données géographiques et cartographiques de qualité, uniforme et surtout représenté dans un seul et même système qui est cohérent et précis, tant à l'échelle nationale que mondiale. En Guinée, c'est un défi qui vient d'être relevé dans le secteur. 26 points sont identifiés. L'Institut national de géographie est la principale structure bénéficiaire du réseau géodésique. Un système mondial de GPS, WGS-84. Le réseau géodésique national de premier ordre dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment un acquis, parce que nous ne l'avions pas avant. Ce dont nous disposions, c'était un réseau géodésique exprimé en WGS 72. Or, nous parlons maintenant du GPS. Donc,
Je pense que la Guinée était peut-être dans la sous-région le seul pays encore qui était dans le système de WSS 72. Les cadres du ministère des Mines et de la Géologie saluent le travail abattu par les experts et promettent de s'approprier du contenu de ce rapport. Relance des activités de maraîchage dans la région administrative de Boké, regroupée en association. Les femmes ont réalisé cette année plusieurs hectares de culture. C'est dans le cadre du projet d'autonomisation féminine appuyé par le gouvernement et le réseau des jeunes filles de l'espace francophone. Une action qui vise à promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Younous Atawel Kamara. C'est la période de récolte. Ces paysans de la filière maraîchère de Boké expriment leur joie à travers chants et danses. Cette année, grâce à l'utilisation de nouvelles techniques dans leur périmètre, ces femmes regroupées en association récoltent une grande quantité de produits. Des produits soigneusement emballés et destinés au grand marché du pays. On fait tout ça là pour aider ces jeunes filles, car le premier baril d'une fille, c'est son travail. Nous sommes là, on travaille. Il y a l'ambiance, il y a l'aimabilité, on s'entend entre nous, il y a la cohésion sociale. Tout le monde se donne la main vraiment pour la réussite de l'activité-là. Ce projet d'autonomisation des femmes est appuyé par l'ONG Réseau des jeunes filles de l'espace francophone. Il s'agit d'accompagner ces groupements en vue d'encourager l'auto-emploi permettant aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins. Il y a toutes sortes de produits agricoles ici. Si ces produits sont mis en valeur, nous pourrons lutter contre le chômage agricole. Aujourd'hui, nous sommes contents de ce projet d'autonomisation des femmes. Ça nous permettra d'améliorer nos rendements. Avec l'appui des partenaires financiers du projet, ces braves femmes entendent améliorer les rendements l'année prochaine. Pour ce faire, elles comptent aménager une grande superficie pour cultiver plusieurs autres variétés de légumes. C'est une action encouragée. Baccalauréat, session 2016. Je vous le disais en titre, parmi les 42 960 candidats, il existe deux candidats non-voyants. Ils ont traité les mêmes sujets que leurs camarades voyants. Mais comment ces candidats non-voyants arrivent à se tirer d'affaire? Notre reporter Abdoul Karim Kamara est allé à leur rencontre dans leur centre d'examen. Suivez son reportage. Le centre Sogué à la Cité Solidarité au quartier Taouya, une école des aveugles. Ici, l'élève apprend de la première à la sixième année l'écriture braille. Cette année, ils sont deux candidats non-voyants à passer le baccalauréat unique dans la zone de Conakry. Munis de leurs tablettes, Ismaël et Fatmata Diaraï traitent les mêmes sujets que les élèves voyants. Malgré leur handicap, les deux candidats se tirent d'affaire dans la salle d'examen. Vous savez, toute chose, il faut une adaptation, une formation. C'est toujours, on a commencé par une formation, comme tous les jours d'ailleurs. On passe comme ça la tablette, on ferme, après on écrit. Quand on écrit, on pique par là et ça sort de l'autre côté. Maintenant, on fait ressortir, oui. Comment vous nous déchiffrez? Comment nous nous déchiffrons? C'est en tout ça. Voici ici les épreuves qu'on nous a données aujourd'hui. Ils ont comme outil de travail une tablette, un poinçon qui sert de stylo, un cube pour le calcul. Avec ces moyens de bord, nos candidats non-voyants donnent le meilleur d'eux-mêmes pour respecter les deux heures d'une épreuve. Au niveau des sujets, là, il faut nous dicter les sujets. Maintenant, le temps de prendre les sujets, ça trouvera que déjà nos amis, eux, ils ont commencé de traiter pour eux. Donc c'est le temps là qui fait défaut. Le professeur, il lit. Et on lui suit pour savoir s'il n'y a pas des erreurs. Après, maintenant, on se met au travail. Donc après tout, on nous augmente 5 minutes ou 10 minutes. Et, mais des fois, ça arrive aussi, on finisse avant les autres. Parce qu'aujourd'hui, on a fini une heure avant les autres. Dans leur salle d'examen, ils sont surveillés par un maître d'élèves non-voyants. Ce dernier leur transmet le sujet après l'avoir retranscrit en écriture braille à l'aide de cette machine appelée Perkins. Nos enfants écrivent en braille, nous-mêmes nous écrivons en braille, mais nous préparons en noir.
Et quand je dis on a des problèmes, c'est au niveau de documentation. Parce que tous les documents que les enfants voyants ont accès, nos enfants n'ont pas accès. Nous sommes sur les concours nationaux, on a les mêmes sujets. Les documents pédagogiques ne sont pas transcrits en braille. Par exemple, aujourd'hui, on donne les dissertations. Ils n'ont pas accès aux romans. Seulement ce que le professeur donne en classe, il se contente de ça. L'écriture des malvoyants a été inventée en 1821. Elle porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille. Le centre Sogué est la seule école des non-voyants en Guinée. Après les études primaires, les élèves admis pour le secondaire sont suivis par un de leurs maîtres au complexe scolaire La Source. L'autre image de l'actualité nationale, les médicaments de rupture en Guinée, l'utilisation des produits contrefaits devient un véritable problème de santé publique. Les étudiants de la pharmacie se lancent dans la sensibilisation des populations. Ici, on a actuellement les rues de la capitale pour expliquer les conséquences liées à l'utilisation des faux médicaments en Guinée. Un reportage de Maroufouba et Adia Toubari. Ces étudiants en pharmacie de l'université Gamal Abdel Nasser ont investi tôt ce matin les principaux axes routiers de Conakry. Leur mission, sensibiliser les consommateurs les plus sceptiques sur les dangers des médicaments de la rue. De pliant en main, ils les distribuent aux passants pour intensifier la campagne sur les risques liés à la consommation des médicaments de la rue. Quand tu pars voir un pharmacien, il te dira comment prendre ce médicament, à quelle dose le prendre, il te dira les heures pour les prendre. Mais tandis que quand tu vois une personne qui est dans la rue, qui est analphabète même comme toi, qui ne sait pas l'importance de ce médicament, qui marche avec ce médicament dans la rue, il ne sait même pas comment tu vas prendre ce médicament. Donc nous sommes là pour conseiller la population. Selon l'OMS, les médicaments de la rue tuent 8000 personnes chaque année à travers le monde. À Bambeto, ce groupe de passants se porte volontiers pour passer en langue locale le message de cette campagne baptisée « Halte aux médicaments de la rue ». Nous demandons aussi de demander aux pharmaciens d'apaiser les prix dans les pharmacies parce que c'est ce qui nous envoie vers les pharmacies par terre. Vous pouvez trouver un médicament dans la pharmacie. Avec cette campagne, ces pharmaciens en herbe comptent toucher plus de citoyens afin de freiner les décès liés aux médicaments de la rue en Guinée. Et puis, en plus bref, en images et formation des entraîneurs et animateurs de la Fédération de tir à l'arc, une discipline sportive peu connue en Guinée. En Guinée donc, la Fédération organise une formation à l'intention des entraîneurs et animateurs. D'étranglement à son domicile. Les services de la brigade anticriminalité ont ouvert des enquêtes. À ce jour, deux personnes sont interpellées. Explication, Mamaïssata Kamara. Un groupe de présumés malfrats dans les filets de la brigade anticriminalité. Parmi eux, deux présumés assassins de Lai Touré en Guinée vivant alors en Belgique. Ils ont escaladé le mur. Ils sont descendus dans la cour. C'est le bruit de la porte qui l'a fait sursauter du lit. Alors, se trouvant face à des individus inconnus, à des malfrats, il a voulu crier. Il a tenté de crier au voleur. Sans que ces trois gars-là l'ont pris, il sait que le gars s'est étouffé complètement. Quand il s'est étouffé complètement, sans en constatant que le monsieur était entre l'agonie et la vie et la mort, ils l'ont laissé tomber à terre. Cela ne les a pas empêchés de s'introduire dans la maison et de se mettre à fouiller de fond en comble les armoires et autres, tout ce qui était là. Au finish, voilà ce qu'ils ont volé. Plus $600 et 260 000 francs guinéens qu'ils ont trouvé sur M. Touré. Devant les caméras, les présumés accusés reconnaissent leur forfaiture. On
On a tué quelqu'un, on est rentré chez lui, on l'a étranglé. Quand il s'est étouffé, on l'a laissé par terre, on a fouillé la maison. On a trouvé 600 dollars et 260 000 francs guinéens. Et on a mis les bagages dans la voiture pour fouler la Madina. D'enquête en enquête, Razak a été arrêté, puis Brakis m'a arrêté aussi et m'a conduit à la BAC 6. 60 000. Donc enquête va bon, traité à famille, fait couille. Sur place, la famille de la victime informée de l'arrestation des présumés assassins de Light Touré. Elle demande que justice soit rendue. Le frère du défunt est encore sous le choc. Son meurtre, pour ainsi dire, c'est comme un couteau planté dans le cœur de la famille Touré, qui partout où elle se trouve aujourd'hui, ne fait que pleurer de douleur. L'arrestation de ces présumés bandits a été possible grâce à la collaboration des populations. Arrêtés ce samedi, ils sont logés depuis à la brigade de recherche de Matam pour des fins d'enquête. C'est un dossier à suivre. Journée porte ouverte sur Guinée Industrie. Les responsables de cette usine ont invité plusieurs personnalités évoluant dans le secteur des transports et de la construction BTP. Objectif, présenter leurs produits au public. Adèle Camara. Cette journée porte ouverte est une opération séduction. Le groupe Guinée Industrie met l'occasion à profit pour exposer les aspects techniques de ces deux entreprises, GI Ciment et GI Toll. Les échanges avec ces professionnels des BTP et des grands projets infrastructurels portent également sur le domaine d'utilisation des produits de l'usine. En tant que professionnel du secteur, j'ai été vivement intéressé. Et j'ai tiré quelques leçons. Je pense qu'un produit de qualité, même dans un pays où on dispose de peu de moyens, un produit de qualité peut se placer sur le marché, à condition d'en faire la bonne promotion auprès des concepteurs, architectes, urbanistes, constructeurs, entrepreneurs. Depuis l'entrée en production en 1990 pour GI Toll et 2013 pour GI Ciment, le groupe compte plus de 1500 personnes en emploi direct et indirect. Ce chiffre sera revu à la hausse avec un projet d'extension inscrit dans les objectifs immédiats de l'usine. Il s'agit pour les responsables de conquérir l'intérieur du pays avec un service de qualité. Et cette rencontre permet d'expliquer la démarche. Le ciment, c'est un liant hydraulique qui, en contact avec de l'eau, est capable de faire une prise et un durcissement. Et quand vous prenez aussi l'enzyme, l'enzyme aussi peut faire son durcissement, peut faire aussi sa prise, parce que la pique qu'on peut faire avec l'enzyme. Mais ce qui est important, ce qui différencie ici le ciment et l'enzyme, c'est parce que le ciment conserve sa résistance et sa stabilité même sous l'eau. C'est une opportunité que nous avons eue à offrir aux différents ministères concernés par le secteur de bâtiments et des travaux publics, les bureaux d'études, de contrôle et d'architecture, les représentants des grandes entreprises dans le domaine de BTP et aussi les grands projets d'infrastructures routières et puis dans le domaine du bâtiment et des projets stratégiques. Pour expliquer un peu les aspects administratifs et les aspects commerciaux concernant les deux entreprises que compose le groupe GI, à savoir GI Ciment et GI Toll, et aussi faire un exposé sur les aspects techniques et les domaines d'utilisation du ciment et des tôles. GI Ciment est actuellement en tête du classement national avec une production d'un million de tonnes par an. Ce rendement va augmenter de 500 000 tonnes dans les 6 prochains mois. Quant à GI Toll, de nouveaux produits sont attendus sur le marché l'année prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde, à demain.